Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, on se retrouve pour utiliser 150 000 gemmes, presque 151 000. Donc la dernière fois j'en ai utilisé 100 000, ça a fait quand même pas mal de changements et surtout du coup là je n'ai rien touché depuis et on va être à la boîte d'aile supérieure, donc on va même pouvoir comme l'autre fois ouvrir les petites boîtes gratuites, donc bientôt niveau 10 d'armure. Bon ça change rien hein, vu le loot qu'il y a. Même les dernières, vous voyez. Ouais, bon. Alors, donc, pour ce qui est des boîtes d'ailes, j'ai déjà débloqué la bleue. Mais ce sera toujours utile. Donc, c'est le seul endroit où je vais mettre mes gemmes. Et j'ai gardé exprès de quoi améliorer. Donc, ça va être sympathique. Alors, je suis à combien? Ok, il y a le temps encore. 1, 2, tirage. 2, tirage. Ok, 3, 4. Et je crois que on va passer à la boîte supérieure. Allez, encore. Hop, deux petits. Et on passe à la boîte supérieure. Donc on récupère la petite récompense. Et on va continuer. Donc, allez, boîte 6. Qu'est-ce qu'on va avoir de bien maintenant? Donc on commence à voir. Voilà, du coup, il n'y a quasiment que du A maintenant sur les boîtes 6. Ok. Alors, du S aussi, ça arrive un peu plus souvent. Qu'est-ce qu'on a d'ailleurs dedans? Le tout dernier, c'est duel. On sait jamais, hein. Moi, c'est ce que je, c'est ce que j'aimerais bien, ce serait cool. Ça augmenterait en fait de ouf les dégâts. Pour être en avance, du double S, ok. Ouais, pour le moment, rien d'extraordinaire. Là, c'est sûr. On va avoir de quoi finir la S, si elle n'était pas déjà finie, du moins. Ok, toujours rien. Pour le moment, pas de bol. Hein. Le double S, d'ailleurs, ça a combien de pourcentage? 0,8%, donc ça va quand même. Ça pourrait être pire. Ok. C'est quand il y aura du triple S déjà, où ce sera déjà un peu plus propre. Ok, dès qu'on aura utilisé 100 000 gemmes, on va faire un petit recap de ce que je peux améliorer. Ok, là-dessus c'est bon. Ok, du R. Le R qui est en 0,02. Ok, alors, du coup, équipement, elle. Donc on peut améliorer déjà les. Hop, ça, c'est sympathique. On va voir à combien c'est d'ailleurs la réduction de PV. Info détaillée. Réduction de PV, PV du monstre, ok. On a encore le temps avant que ça fasse comme avant. Réduction de PV. Alors, hop, on l'améliore. Allez, 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 allez. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à améliorer? Du coup, celle-ci. On augmente l'attaque pour le dragon. Plutôt sympa. Hop. Ça a coûté très très cher. Hein. 1200%. On continue. Hop, j'en ai encore assez. 1500. Alors j'étais, je crois, à 276 tickets de gagner. On verra la différence tout à l'heure. Je ferai au moins une attaque. 1800%. Pour ça, il faut venir chercher. Hop. Un peu d'avant. Voilà. Ok, classement, il m'en faut 9. Ouais, ben on verra après. On verra après quand j'aurai fini les tirages. En espérant tout de même avoir mieux. Allez. Voyons voir. Ok, bon. Ce serait bien d'avoir une nouvelle couleur. Le L qui est du rouge. Si je ne me trompe pas. Ah, du triple S qui vient, c'est déjà pas mal. Alors, ok, on a combien de la boîte? On est presque à la moitié. Ok, là-dessus, c'est pas mal. Je pense qu'il va y avoir un bon boost des dégâts en tout cas si je. Ok, du double R. J'esquipe un peu vite. Mais voilà, il y a un petit double R qui est arrivé.
Un doubleur, c'est censé, voilà ce qu'on loot à la boîte 6. C'est du 0,01%. Donc ça va encore, hein, 0,01%. C'est surtout après que ça arrive quasiment jamais. Du moins avec moi. Triple S, ok, on est pas mal. Tout ce qui arrive maintenant, ça sera pratique pour après. Alors il y a un moment où vous pouvez fusionner. Hein. Faut regarder juste ce qui arrive dans les dernières boîtes. Au moment de la triple S. Vu que c'est la dernière boîte. Donc là, je vais en fait pouvoir commencer si je veux à fusionner comme un bourrin, si je veux. Pour aller plus vite. Alors, il me reste 48 000. Tiens, on va prendre les petits gemmes là. Enfin, un tout petit peu plus. Alors, on fusionne tout ça. Alors, du triple, du double R. On peut finir en améliorer 2100. Ok, allez. Level 501 et là 2400%. Le butin de pierre d'âme, on est à 14%. On va voir en fait les changements réels. Non, j'ai attaqué sans faire exprès. Je suis à 41 340. On va voir. Ça change vraiment beaucoup. 41 340. On améliore. Allez. Voilà. Vous voyez, je suis à plus de 70 000 de pierre d'âme d'utiliser. Donc ça coûte très cher. Hein. Ok, on a gagné plus de 1000. Donc ça commence à être vraiment des boosts très intéressants. J'ai cliqué au même endroit. Alors les ailes, hop, on va l'améliorer. Ça fera plus de dégâts. On va voir à combien je passe. Je suis à 128 BO. Un Shadow Strike, évidemment. 128 BO, hop, on équipe. Je passe à 739 BO. Donc à moyen, je pense, je finis ce niveau. Hop. On va continuer les boîtes et on vérifiera tout ça après. On va essayer de faire rapidement pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Allez, on attend de belles couleurs. Je suis à combien? Ok, je vais peut-être arriver tout pile au niveau de la boîte comme l'autre vidéo. Ok, toujours pas. Ça va venir, ça va venir. Je l'espère. Allez, 22 000. On a combien? On est bientôt à la fin de la boîte. Ok, du double R. On est pas mal. Là-dessus, rester 13 000 gemmes. Allez, on va arriver ouais, vraiment tout pile fin de boîte. Gemmes. Boîte level 7. Donc, hop, on fait les quelques deux tirages à peine disponibles sur la boîte level 7. Donc là, voilà, du petit R. On voit que du bleu maintenant. C'est tout de suite plus joli. Donc, pour ce qui est du côté d'ici, on va pouvoir fusionner. Donc, j'étais à 739 BO, on le rappelle. On va regarder d'ailleurs la réduction de PV aussi, où elle est passée. Ça commence à être vraiment bien. 739 BO. 986, ok. C'est vraiment, vraiment pas mal, hein. Et du coup, là-dessus, qu'est-ce qu'on va... Alors, on va à la fin, enfin au début. Du coup, hop, hop, on fusionne. 2000 et quelques, il y en avait un. Hop, pareil ici, pareil là. Voilà, et là, tout de suite, c'est beaucoup moins. Et on up ça. Ok, il m'en manque une, dommage. Et là, 30%. C'est pas mal aussi. Alors, on a une belle chose. Ah, ok, ça va pas fini de l'améliorer. Voilà, et là, du coup, il en faudra une deuxième. Alors, jusqu'à où est le boost intéressant? On va voir ça un tout petit peu plus tard. Alors, on va voir, du coup, hop, l'invasion de dragon. À combien je suis? Ça fait quelque chose de propre ou non? J'étais normalement, voilà, 276 tickets hein, de mémoire.
Je sais pas si ça va changer de beaucoup parce que j'ai pas non plus changé d'arme. Mais bon. On va voir ça. Ok. Alors 280 tickets. Ok, on est plutôt propre au niveau du classement. 192. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Alors, et du côté du boss, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que du coup je vais tous les plier et gagner pas mal de place? C'est possible, hein? Ok, ça aussi je le plie. C'est surtout au 20 en fait où ça devient un peu plus chaud. Ok, ça aussi. Allez, on continue. Ah ouais, là vous voyez que ça commence déjà à devenir un peu plus chaud. Il a fallu 2 coups, donc je sais pas si le 20 va passer. Hein. Ok, ça passe sur celui-là. Allez, le 19. Ouais, le 19 qui va être très très chaud. Hein. Donc le 20 ne passera pas. Malheureusement. Ouais, même le 19, il va avoir du mal. Ouais. Le 19 ne passera pas. On a gagné quand même, je pense, quelques places. Donc c'est pas mal, mais j'aurais voulu vraiment passer au niveau supérieur. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine.